Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Au sommaire, le monde est suspendu au discours que doit prononcer ce vendredi le chef du Hezbollah, l'organisation politique et militaire qui fait trembler l'armée d'occupation. En près d'un mois de guerre sur Gaza et en Cisjordanie, le bilan global des victimes s'élève aujourd'hui à plus de 9200, dont plus d'un tiers sont des enfants. Les médias occidentaux entretiennent le mythe d'une armée israélienne invincible. Nous verrons comment les chiffres concernant les pertes humaines au sein de cette armée sont travestis. Cette même armée qui cible délibérément les civils et les journalistes aujourd'hui, c'est d'ailleurs la journée mondiale pour mettre fin à l'impunité concernant les crimes commis contre les journalistes. Enfin, chez nous et sur décision du président de la République, sachez que le stade de Douira sera baptisé du nom du Shahid Ali Ammar, plus connu sous le nom d'Ali Lapointe. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. La guerre contre Gaza pourrait prendre une nouvelle tournure à compter d'aujourd'hui. Le chef du Hezbollah doit prononcer ce vendredi son discours, le premier depuis le 7 octobre, et qui déterminera sa démarche dans ce conflit. Ce discours, doit-on le rappeler, a été précédé d'une flambée de violence hier soir à la frontière entre le Liban et l'entité sioniste. À quoi devons-nous nous attendre? Élément de réponse avec Walid Desharara, journaliste libanais et analyste politique. Il est contacté par Kalima Hasnaoui. Il faudrait attendre le discours du Sayyid Hassan Nasrallah pour voir quels sont les objectifs afin d'atteindre quel objectif politique. Parce qu'il est clair aujourd'hui que la partie israélienne, soutenue par les États-Unis et les autres pays occidentaux, cherche en réalité à forcer les Palestiniens à un nouveau transfert. Ils cherchent à infliger au peuple palestinien une deuxième Nakba pour faire oublier la défaite d'Israël le 7 octobre. Il se peut que ce soit l'objectif. Arrêter le massacre, arrêter la guerre par tous les moyens, y compris en participant directement à la confrontation pour forcer la partie sioniste et ses alliés à arrêter l'agression contre le peuple palestinien. À propos de Nakba, 106e anniversaire de la déclaration de Balfour, chaque 2 novembre, les Palestiniens, la mort dans l'âme, se souviennent de l'acte de spoliation de leurs terres. L'OCI, l'Organisation de coopération islamique, appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités, car aujourd'hui, il est impossible de laisser faire un tel génocide, un génocide à ciel ouvert. Ammar Belkhoudja, chercheur et historien, auteur de plusieurs ouvrages sur la Palestine, il est contacté par Amel Lazib. Aujourd'hui, il est inconcevable d'accepter que des Palestiniens vivent encore depuis 1948 dans les camps de réfugiés, que j'appelle moi les camps de la charité internationale. Une grande partie de cette population continue. Les enfants naissent là-bas. Il y a 2 générations qui sont nées et puis ces camps de réfugiés sont de temps à autre, eux aussi, bombardés et agressés par l'armée israélienne qui fait une guerre de représailles, qui n'a jamais fait de guerre aux résistants palestiniens qui savent se battre. Aujourd'hui, on utilise l'air, on utilise l'aviation parce que les combats au sol, l'armée israélienne n'est pas capable de remporter des victoires sur les résistants palestiniens. Aujourd'hui, la situation est tellement grave, l'ampleur du massacre est tellement grave qu'il ne s'agit plus d'interpeller le monde arabe, une série de normalisations et de capitulations. Il s'agit d'interpeller la conscience universelle. Tous les peuples de cette planète doivent s'indigner pour dire halte au massacre. L'armée d'occupation qui peut compter sur son allié historique, les États-Unis. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est arrivé aujourd'hui en Israël pour sa 3e visite depuis le 7 octobre. Blinken a rappelé d'ailleurs le soutien indéfectible à l'entité sioniste et appelé prétendument à des mesures concrètes pour éviter ou épargner les civils de Gaza. Les bombardements à distance et aériens se poursuivent sur la bande. Les mots ne suffisent plus à décrire la situation humanitaire. Le dernier bilan des victimes, dévoilé ce matin par le ministère palestinien de la Santé, fait état de plus de 9200 morts, dont plus d'un tiers sont des enfants. L'armée d'occupation ne fait pas de distinction entre les victimes. Elle cible d'ailleurs délibérément les journalistes. Le dernier en date est Boul Khatib, correspondant de la télévision palestinienne à Gaza, ainsi que 11 membres de sa famille, dont sa femme et ses enfants. Saviez-vous d'ailleurs que depuis 2013, une journée internationale a été instaurée par l'ONU pour mettre fin à l'impunité concernant les crimes commis contre les journalistes? À vrai dire, elle s'étale sur 2 jours, le 2 et 3 novembre. Au vu du contexte, la question est plus que jamais pertinente. Plus d'une quarantaine de journalistes et des membres de leur famille ont été tués depuis le 7 octobre dernier. Soraya Roslen.
À Gaza, depuis le 7 octobre, plus de 27 journalistes et 13 correspondants de presse ont été tués par les bombardements de l'entité sioniste. Ils ont aussi attaqué les maisons de 35 journalistes, dont celle du journaliste Walid Dahdour, qui a perdu sa femme, ses enfants et son petit-fils. Les journalistes palestiniens ont été ciblés dans l'exercice de leur métier à assurer la couverture de massacres à Gaza. Écoutons à ce propos Dr Zohair Mutlaq, journaliste et président de l'Union générale de la jeunesse palestinienne. Les journalistes et correspondants palestiniens sont la cible des attaques de l'entité sioniste. Ils les empêchent d'assurer la couverture des attaques contre le peuple palestinien qui subit de plein fouet les exactions de l'entité sioniste dans la région de Gaza. L'entité sioniste tue les journalistes afin que la communauté internationale ne soit pas informée de la barbarie, des atrocités, du génocide du peuple palestinien. Le syndicat des journalistes palestiniens dénonce le ciblage des journalistes palestiniens pris en otage et le parti pris des médias occidentaux. L'ONG Reporters sans frontières a déposé ce mardi une plainte devant la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes de guerre commis par l'entité sioniste contre les journalistes palestiniens durant leur couverture de l'agression sioniste sanglante. La détermination des journalistes à enquêter et à révéler la vérité fait qu'ils sont souvent attaqués, placés en détention illégale ou même assassinés, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et les avions de l'occupation ont également bombardé le bureau de l'AFP, l'agence France-Presse et ceux d'autres agences dans la bande. L'armée d'occupation maintient également la tension en Cisjordanie. 9 Palestiniens sont tombés en martyrs à l'aube à Jenin, à El Khalil et El Quds occupés, selon l'agence palestinienne Wafa. Les médias occidentaux entretiennent le mythe d'une armée israélienne invincible, l'armée sioniste qui minimise ses pertes humaines, des pertes infligées par la résistance palestinienne. Il s'agit tout simplement d'une manipulation médiatique pour garder le moral des troupes au beau fixe. Éclairage de Belkacem Mostfaoui, professeur des universités en sciences de l'information et de la communication. Il est contacté par Karim Hasnaoui. La première victime d'une guerre, c'est la vérité. Ce qui est monstrueux là, c'est bien entendu le génocide qui est activé contre le peuple palestinien, et non pas seulement Gaza, comme voudraient le faire entendre. Les médias sont tellement sous le contrôle de ce groupe entourant, confortant, consolidant Israël contre l'État de Palestine, contre les Palestiniens. Nous sommes en face de réalités génocidaires sur le plan humain, et c'est génocidaire aussi contre la liberté d'information. Israël veut conquérir en même temps les esprits, dire mais non, il n'y a pas génocide. Il y a une stratégie d'éradication de cette résistance palestinienne. L'ONU estime que les besoins en aide pour la population de Gaza et de la Cisjordanie à 1,2 milliard de dollars jusqu'à fin 2023, indique aujourd'hui l'agence chargée de la coordination humanitaire. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, a ajouté ce vendredi les territoires palestiniens à la liste des pays et territoires nécessitant une aide alimentaire extérieure. Ces aides affluent du monde entier, mais sont malheureusement bloquées à Rafah. L'armée d'occupation empêche leur acheminement aux civils, ou du moins au compte-gouttes. Comment les organisations internationales vivent-elles cette situation? La porte-parole du CICR a répondu à cette question. Elle est au micro de Smaïl Mimouni. La situation humanitaire à Gaza actuellement est désespérée et c'est encore un euphémisme. Donc évidemment, il y a une demande, un appel à plus d'aide humanitaire qui doit entrer. Et surtout, cette aide humanitaire, on demande à ce qu'elle continue d'arriver de manière régulière. Le 27 octobre, on a envoyé 6 camions. Ensuite, 2 jours plus tard, 3 autres camions, avec surtout une équipe médicale. Donc 10 personnes sont rentrées à Gaza, des médecins, des chirurgiens, pour pouvoir aider les médecins sur place face à la situation complètement tragique des hôpitaux. Évidemment, on est content d'avoir réussi à envoyer de l'aide humanitaire, mais encore une fois, ce n'est pas assez. Mes collègues chirurgiens à l'intérieur de Gaza nous l'ont dit très tôt, très vite, c'est juste une goutte d'eau dans un océan par rapport aux besoins auxquels ils font face. C'était Fatema Sattour, porte-parole du CICR, contactée par Smaïl Mimouni. Justement, nous avons tous vu les images des camions transportant les aides humanitaires entrées dans Gaza depuis le passage de Rafah. On disait déjà qu'elles étaient très peu nombreux, ces camions. On apprend à présent que ces aides n'ont pas été distribuées aux civils. Mostafa Ibrahim en parle à Karima Hasnaoui. Il est écrivain et analyste politique basé à Rafah.
Cette question prend, je pense, des proportions loin de refléter la réalité. Jusque-là, il n'y a pas eu d'entrée à Gaza de véritable aide humanitaire en dehors de simples boîtes de médicaments et de matériel médical qui restent dérisoires. Lui donner de l'importance, c'est accorder du crédit à l'entité sioniste et à son allié, les États-Unis, qui prétendent que la population de Gaza a bénéficié d'une aide humanitaire importante. La majorité de l'aide humanitaire qui a eu accès à Gaza ne dépasse pas 100 camions. Et l'aide qu'ils comprennent n'a toujours pas été distribuée aux réfugiés, ni dans les camps de réfugiés, ni aux réfugiés qui arrivent des autres camps de Gaza. Il y a exagération de la réalité et la visite de Blinken pour des raisons humanitaires n'est que mensonge et falsification de la réalité. Comment les Palestiniens vivant à l'étranger suivent ces événements tragiques qui se déroulent dans leur pays? Smaïl Mimouni a rencontré deux étudiants palestiniens basés en Algérie. Reportage. Les étudiants palestiniens en Algérie suivent avec beaucoup d'inquiétude la situation catastrophique que vivent leurs proches quotidiennement à Gaza. Nous avons rencontré deux étudiantes qui nous ont livré leur témoignage. Antal Ben Khatib Nsrin, première année master à la faculté de journalisme d'Alger, craint pour sa famille et appréhende même la sonnerie du téléphone. Nous vivons une situation d'inquiétude, de crainte. À chaque fois que je vois mon téléphone, j'ai peur. Je consulte les informations, j'ai peur d'avoir une mauvaise nouvelles concernant mes proches. D'ailleurs, la majorité d'entre eux nous ont quittés. Les maisons sont détruites, les membres de la famille ont été perdus. Mais Dieu merci, nous avons compris que l'ennemi sioniste est fragile. Il tente de semer la déstabilisation et la désinformation. Mais à nos yeux, il est faible, il est petit. Il assassine les enfants, les civils. Il est inhumain. Il lance des missiles sur des enfants innocents. Même sentiment de crainte pour Zohor Bachir, originaire de Gaza. Elle est en troisième année langue anglaise. Elle est certes inquiète, mais ne doute pas du courage de la résistance palestinienne. La période actuelle est pénible, la situation est catastrophique à Gaza, bombardement de civils, d'enfants et de femmes. Nous avons appris aujourd'hui que l'ennemi a lancé des bombes au phosphore sur des écoles qui abritaient des milliers de réfugiés. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu, notre peuple est fatigué. Ma grand-mère a été déplacée de Yafa. Certes, nous avons perdu des milliers de martyrs, mais la Palestine a gagné la bataille médiatique. Le monde entier est aujourd'hui témoin des exactions des sionistes. Nous sommes déterminés et nous resterons sur notre propre terre à l'infini. La communauté palestinienne en Algérie suit de près ce que vivent leurs proches à Gaza, certes avec beaucoup de peine et d'impuissance, mais aussi beaucoup de courage et d'espoir. Il est 12h bientôt 43 minutes sur Alger chaîne 3. C'était notre dossier consacré à la situation qui prévaut en Palestine occupée. Chez nous à présent, la gendarmerie nationale de Msila est parvenu à saisir 4,5 kg de cocaïne et plus de 65 000 comprimés de psychotropes au cours de deux opérations distinctes, indique un communiqué publié ce vendredi. La première opération a été menée au niveau d'un barrage routier où les gendarmes ont intercepté un véhicule léger avec à son bord une personne suspecte. De leur côté, les éléments de la brigade de gendarmerie d'Ourlel, sur information faisant état de tentatives d'un groupe d'individus de faire transiter par la wilaya de Biskra des stupéfiants en provenance d'une région du sud et destinés au nord, a intercepté un véhicule avec à son bord 17 000 comprimés psychotropes et découverts dans des caches dans les emplacements des airbags. Un dossier pénal est en cours d'élaboration pour présenter ces individus devant l'autorité judiciaire compétente. Tout autre chose à présent, restez prudents. Cette période qui voit le retour de la pluie accompagnée de vents forts, une période propice malheureusement au virus de la grippe. La campagne de vaccination est lancée depuis plus d'une semaine. Une campagne qui passe aussi par la sensibilisation justement à se faire vacciner. Inès Mohamed, notre correspondante, Sidi Blabès. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est déjà lancée à Sidi Blabès au niveau de différents établissements de santé et les médecins ne cessent de sensibiliser la population cible pour se faire vacciner. Dr Harmel Bakhaled, médecin coordinateur de l'EPSP de Sidi Blabès. On a une population cible, on a des gens qui doivent être vaccinés. C'est les sujets âgés plus de 65 ans, les gens qui sont touchés par des maladies chroniques, l'hypertension, l'asthme, le diabète ou maladie cardiaque, surtout la femme, il ne faut pas l'oublier. Les médecins recommandent plus particulièrement aux personnes touchés par le Covid de se faire vacciner, précise Dr Harmel. Le Covid, comme vous le savez, il a laissé des séquelles, soit des séquelles pulmonaires ou autres. Vous portez le masque quand vous êtes grippé parce que vous allez contaminer d'autres populations. Ce qu'on vous demande maintenant, il faut se vacciner.
Pour rappel, le secteur de la santé a reçu 35 000 doses de vaccins, un quota qui devrait répondre aux besoins de la population locale. De Sidi Blabas, Inès Mohamed pour Al Jazeera 3. Et on arrive au sport. Ardouane Bendali, bonjour. Bonjour, Siham. Alors, d'abord, ce stade de Douira qui vient d'être baptisé du nom du Shahid Ali Ammar. Le nouveau stade de Douira est baptisé du nom du Shahid Ali Ammar, dit Ali Lapointe, selon le décret présidentiel numéro 23-385, paru au journal officiel numéro 69. Le décret officialise également que l'exploitation de cette enceinte de 40 000 places est attribuée au Mouloudia Club d'Alger. Cette décision est motivée par le militantisme historique du Mouloudia Club d'Alger, notamment à travers sa participation efficace à la glorieuse guerre de libération nationale et sa contribution au développement et au rayonnement du sport national et à la formation des jeunes talents sportifs et des athlètes d'élite durant plus d'un siècle. Et compte tenu de son parcours sportif jalonné de succès de titres, ayant hissé très haut l'emblème national lors des manifestations sportives continentales. Et en vertu du dit décret, le Mouloudia d'Alger doit assurer la bonne gestion de l'infrastructure sportive et veiller à son entretien et à sa maintenance dans le cadre de l'organisation des compétitions sportives nationales, continentales et internationales. Le Mouloudia d'Alger peut permettre avec contrepartie les installations de l'infrastructure sportive à la disposition de la Fédération algérienne de football. À propos de football, on connaît la date de reprise des compétitions nationales. Et ça concernerait bien évidemment toutes les compétitions, à tous les paliers, et à commencer par la Ligue 1 qui entamera la cinquième journée, donc vendredi 10 novembre, et elle se poursuivra le samedi 10 novembre. Très rapidement, je vous donne les matchs, puisque ça sera la cinquième journée du championnat. Paradou Mouloudia Doran, US Souf CS Constantine, entente de JS Kabylie, USM Alger CRB, a souligné que ce match se jouera au stade du 5 juillet d'Alger. Il y aura également JS Saoura MC El Bayada, Souchlef Mouloudia d'Alger, NC Magra US Ben Aknoun, USM Khanchla US Biskra. Il y aura des matchs de mise à jour le mardi 14 novembre, Paradou CRB et Entente de Sétif USM Alger, et également ont été indiquer les matchs de la sixième journée le vendredi 17 et samedi 18 novembre, ainsi que la septième journée le vendredi 24 et samedi 25 novembre. Merci Edouane Bendali. Dernier jour du SILA ce vendredi, le Salon international du livre d'Alger. Fatah Aboumahdi a choisi aujourd'hui de nous parler à la fois de soufisme et d'africanité. La Tariqa Tijaniya, voie spirituelle et ordre confrérique, est le tout dernier ouvrage de l'auteur Saïd Boutafa. Un ouvrage qui est le fruit de 20 ans de recherche et de rencontres prolifiques et dans lequel il revient sur le parcours de Cheikh Sidi Ahmed Tijani, les grandes lignes de la Tariqa, mais aussi la dimension africaine de cette confrérie. Saïd Boutafa. La Tijaniya, c'est la résultante de plusieurs voyages au Sénégal, deux fois en passant par le Mali, au Niger. J'ai abordé pas mal de chapitres concernant bien sûr la vie et l'œuvre du Cheikh Sidi Ahmed Tijani, mais surtout des dimensions ésotérique, mystique du Shir, que j'ai abordé, développé. Bon, j'ai parlé aussi des Awadad, de tout ce qui concerne le Wild, tout l'itinéraire du Shir Tijani, commencer à développer la Tijaniya. Le point crucial, c'est ce qu'on appelle la grande ouverture, le Fath al-Akbar, qui a eu lieu à Bousmoun, dans sa Khalwa, où il a reçu le Wild Mohammadi pour créer la Tariqa Tijaniya et un Wild qui fut révélé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en personne. Et c'est à partir de là que la Tijaniya a pris son essor et a essaimé au niveau de beaucoup de pays africains et dans le monde. Cet ouvrage vise également à vulgariser et assurer la transmission du soufisme. La Tijaniya, c'est un prétexte, mais c'est vrai que la dimension fondamentale de cet ouvrage est le soufisme avec des éclairages assez inédits. Cet ouvrage est paru aux éditions El Kalima et il est disponible aussi là et le sera également juste après au niveau des librairies. Voilà qui termine ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Amin Segni. Merci également à Samir Kété à la technique et Yassine Mjahed à la régie d'antenne. Sans oublier Mounier au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amin Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur Alger Chaîne 3.